Bonjour, alors bienvenue dans cette vidéo, toujours sur la programmation dynamique. Et on corrige aujourd'hui un exercice en détail, un exercice qui porte sur le problème de Weighted Interval Scheduling. Alors on a présenté un peu cet exercice dans le contexte d'une application réelle en astronomie, en particulier pour la recherche d'exoplanètes. Donc je vous mets le lien en description vers cette vidéo où on raconte un peu l'application réelle. Voilà. Alors je rappelle les données du problème. Donc j'ai un ensemble de n intervalles, que je note grand I ici. Un intervalle, c'est un intervalle de la droite réelle, et c'est défini par un instant de début et un instant de fin, RI et DI. Et j'ai également un poids WI pour chaque intervalle. Voilà, je représente les intervalles de cette façon, de façon traditionnelle, avec la date de début, la date de fin, le poids au milieu, et puis le numéro ou l'index de l'intervalle dans un petit encadré. Alors voilà un exemple de jeu de données où j'ai pris n égale 6 et puis j'ai pris des intervalles à chaque fois avec une date de début, une date de fin. Donc voilà un exemple de jeu de données. Il y a un élément important, donc c'est qu'il y a des intervalles qui sont compatibles temporellement, hein, comme dans l'encadré vert ici, c'est-à-dire que c'est des intervalles, ce sont des intervalles qui ne se chevauchent pas. Et puis il y a des intervalles incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ont un instant en commun. La question que je me pose, c'est de trouver un sous-ensemble d'intervalles compatibles temporellement et de poids maximum. Alors voyons une solution tout de suite à ce jeu de données. Donc ici, j'ai retenu les intervalles 3 et 5. Donc ça, c'est une solution réalisable parce que ces deux intervalles ne se chevauchent pas dans le temps. Et elle vaut 17 ici. Son poids total est de 17. 10 plus 7. Ce n'est pas la meilleure solution. Il y en a une meilleure qui consiste à prendre les intervalles 2 et 6 pour un poids total de 18. Voilà. Alors la question que je me pose générale est la suivante. Donner un modèle de chemin permettant de trouver un sous-ensemble S d'intervalles 2 à 2 compatibles temporellement et de poids total maximum. Voilà. Alors je rappelle simplement que l'algorithme naïf pour attaquer ce problème consisterait à énumérer tous les sous-ensembles possibles d'intervalles en vérifiant à chaque fois ceux qui sont compatibles temporellement et en retenant le meilleur. Donc, cet algorithme-là ne passe pas du tout à l'échelle parce qu'il y a 2 puissance n sous-ensembles possibles hein, d'un ensemble de n objets. Or, on peut pas 2 puissance n, donc on ne peut pas aller au-delà sur une machine de n égale 30 environ. Or, souvenez-vous, dans le catalogue des astrophysiciens, il y a des milliers d'étoiles, hein, donc on veut résoudre des problèmes qui soient beaucoup plus gros que n égale 30. Hein, c'est pour ça qu'on va faire un modèle de chemin. Voilà. Alors, quand on est face quand on vous pose la question de faire un modèle de chemin, la première question que vous vous posez, elle porte sur la structure d'une solution optimale. Ça, c'est ce qu'on avait fait sur l'exercice qu'on a déjà corrigé, donc je vous remets la démarche ici. Donc la première question, c'est celle de la structure d'une solution optimale. Alors, je me prends un exemple de données, comme ça, je suppose une solution optimale. Donc, je n'ai pas remis les poids, ils n'ont pas d'intérêt ici hein, pour notre raisonnement. Donc, j'ai supposé que 1, 4, 8, 12 était une solution optimale à ce jeu de données. Alors la question maintenant est la suivante. Est-ce que cette solution optimale est faite avec des solutions optimales de problèmes plus petits? Hein, je cherche les sous-problèmes qui vont me mener à mon modèle de chemin. Alors pour trouver des problèmes plus petits, bah, il faut que je les cherche, que je fasse des essais. Alors par exemple ici, je coupe le problème en deux. Et si j'ai fait cette coupure, bah, je peux me rendre compte que la solution 1, 4 au problème restreint aux 5 premiers intervalles, eh ben, doit être une solution optimale à ce problème-là, à ce sous-problème-là. La raison est la suivante, c'est que toute solution réalisable de I', I' étant le sous-problème restreint aux 5 premiers intervalles, hein, toute solution réalisable de I' est compatible avec 8 et 12. Ça veut dire que si j'ai une solution meilleure que 1, 4 ici, ben, elle sera compatible avec 8 et 12. Et elle me donnera globalement une solution meilleure que S au problème d'origine. Ça, c'est pas possible puisque j'ai supposé que S était optimal. Ah, donc j'ai toujours cette preuve par l'absurde, dont je complète la rédaction ici, qui me permet d'identifier des solutions optimales à des problèmes plus petits dans une solution optimale du problème. Et là, je retrouve toujours ma propriété qui est au cœur de ce chapitre, hein. Tout sous-chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin. J'ai la même chose ici en termes d'intervalle. Voilà. Alors cette analyse-là doit m'aider à trouver les sous-problèmes. Donc, ayant fait ça, je peux identifier les sous-problèmes comme le problème restreint à tous les intervalles terminant avant un certain intervalle i. Hein, ici, c'est ce que j'ai fait, regardez.
Si je considère les 8 premiers intervalles, donc i égale 8, hein, tous les intervalles qui terminent avant l'intervalle 8, bien j'ai ramené ce problème en disant bah, je choisis i8 dans la solution optimale, j'ai mis 8 dans S, et j'ajoute la solution optimale d'un problème restreint aux 5 premiers intervalles. Vous voyez, ce raisonnement, ça vient vraiment de l'analyse que j'ai faite sur la structure de la solution optimale. Alors, si j'ajoute 8, bah, il faut que j'ajoute cette solution optimale à i égale 5. Mais je pourrais aussi ne pas prendre 8, ça c'est l'alternative. Dans ce cas-là, je ramène mon problème à un problème de taille 7. Donc voilà ma décomposition en sous-problèmes. Hein, la solution optimale de ce problème de taille 8, elle est faite soit avec W8 plus la solution optimale d'un problème de taille 5, soit la solution optimale d'un problème de taille 7. Alors ce qu'il faut remarquer ici aussi, c'est que dans cette décomposition, j'ai fait en sorte de ne pas perdre d'intervalle. C'est-à-dire que j'ai supposé un ordre entre les intervalles pour ne pas en perdre quand je réduis la taille des problèmes. L'ordre en question ici, c'est que j'ai trié les intervalles par date de fin croissante. Ça, c'est important dans le principe de cette décomposition. Voilà, donc cette décomposition sous problème vient vraiment des questions qu'on se pose sur la structure d'une solution optimale. Et elle mène au modèle de chemin. Alors, j'ai remis ces éléments en haut et j'ai remis notre jeu de données exemple ici en haut à gauche. Donc un sous-problème, on a vu que c'était caractérisé finalement par un seul intervalle, puisque ça comprend tous les intervalles qui précèdent celui-là. Donc ici, i égale 8 ou l'intervalle 7 ou l'intervalle 5. Donc j'ai finalement un sommet par intervalle. Alors si je démarre mon graphe pour le jeu de données ici, je vais avoir 6 sommets plus un sommet 0 qui va me représenter un ensemble vide d'intervalles. Alors maintenant, comment je vais placer mes arcs? Bah, je vais vraiment suivre ce principe. Ici, les prédécesseurs de 6, ça va être quoi? Ça va être les sous-problèmes auxquels je peux me ramener. Donc un problème de taille 6, je le ramène soit un problème de taille 5, et je ne prends pas 6, soit un problème de taille 2, parce que je prends 6 et que 3, 4, 5 sont incompatibles avec 6. Donc soit un problème de taille 5, soit un problème de taille 2. Quand je me ramène un problème de taille 2, bah je gagne 8, c'est que j'ai choisi l'intervalle 6, donc j'ai gagné 8 dans mon poids. Alors je peux continuer comme ça, vous voyez qu'un problème de taille 5, bah je peux choisir 5 et me ramener un problème de taille 4, dans ce cas-là je gagne 7, ou je choisis pas 5 et je me ramène aussi un problème de taille 4, et dans ce cas-là je gagne 0. Et je peux continuer comme ça, et donner l'ensemble des arcs de mon graphe, hein, qui est mon graphe G, support de mon modèle de chemin. Alors, ayant écrit ce graphe, je vérifie tout de suite que je retrouve bien les solutions en termes de chemin. Donc, la solution orange ici, 3 et 5, comment est-ce que je peux la visualiser dans ce graphe? Eh bien, là, voilà. Voilà la solution où les arcs courbes ici représentent les intervalles que j'ai retenus. J'ai retenu l'intervalle 3 et j'ai retenu l'intervalle 5. Je peux vérifier que la longueur de ce chemin, 17, est bien le poids de la solution correspondante. Et puis, je peux aussi représenter la solution en rose pour un poids de 18. Donc voilà mes solutions. Alors, ayant fait ça sur l'exemple, j'essaye de donner après le principe général de mon graphe. Donc le voilà. J'ai un sommet i pour chaque sous-problème, hein, tous les intervalles terminant avant i, et les arcs modélisent d'une part l'ajout de i dans s, et d'autre part l'exclusion de i. Alors pour définir mes prédécesseurs, donc i-1, ça c'est pas un souci, par contre il faut que je définisse ce p de i ici. Alors p de i c'est le plus grand indice avant i et compatible avec i. Par exemple p de 6 ici ça vaut 2, parce que l'intervalle qui termine au plus tard et qui est compatible avec 6, c'est 2. En effet, 5, 4 et 3 sont incompatibles temporellement avec 6. Donc, j'essaye de noter formellement, pour donner une définition formelle et générale de mon graphe, le prédécesseur de i dans le cas où je mets i dans la solution. Alors, il faut aussi que je prenne en compte le début, c'est-à-dire que j'ai p de 3 ici qui vaut 0, parce que je n'ai pas d'intervalle compatible avec 3 qui précède 3, qui termine avant 3. Donc je note simplement P de i égale 0 quand j'ai aucun intervalle compatible avec i et terminant avant i. Donc voilà un peu le schéma général. Il faudrait vraiment écrire proprement la définition de ce graphe. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo. Il y a tous les éléments ici pour comprendre. Alors, à partir de là, j'ai remis ce principe en haut
et je vérifie bien que j'ai un modèle de chemin. Donc je vérifie qu'un chemin de 0 à n dans ce graphe G, c'est bien une solution réalisable de mon problème. C'est bien un ensemble S d'intervalles compatibles temporellement. Hein? Et inversement, tout ensemble d'intervalles compatibles temporellement est bien représenté dans ce graphe ici par un chemin entre 0 et n. Par ailleurs, la longueur du chemin, c'est bien égal au poids total de mes intervalles. Ça veut dire que ben, je peux modéliser Weighting Interval Scheduling comme je peux résoudre le problème de Weighting Interval Scheduling comme un problème de plus long chemin de 0 à n dans ce graphe G. Et j'ai bien construit un modèle de chemin. Alors, je donne maintenant l'équation de Bellman de ce modèle, notre équation de récurrence. Donc comme le sous-problème c'est i ici, bah, je note f de i, la valeur optimale de ce sous-problème. Hein, donc valeur optimale pour les intervalles de 1 à i. Et j'écris simplement l'équation de Bellman sur ses prédécesseurs. Donc f de i, c'est le max entre f de i moins 1 et f de pi plus le poids de l'arc wi. Ça c'est simplement l'équation de Bellman dans un graphe acyclique. J'ai simplement besoin de connaître les prédécesseurs pour l'écrire. Et puis j'arrête ma récurrence au début quand même à f de 0 égale 0. Voilà mon équation de Bellman. Alors je peux tout de suite en déduire la complexité de mon algorithme de plus long chemin, parce que la complexité d'un plus long chemin dans un graphe acycliste, c'est en nombre d'arcs, hein, en grand O du nombre d'arcs. Alors combien j'ai d'arcs ici? Ben, pour chaque sommet, en fait, regardez bien, j'ai deux arcs qui rentrent dans chaque sommet. Exactement deux à chaque fois. Donc finalement, si j'ai n sommets, j'ai 2n arcs. Donc ça, c'est en grand O de n. Donc pour calculer un plus long chemin ici, si je prends mes sommets dans un ordre topologique, ça va me coûter 2n, c'est-à-dire grand O de n. Donc c'est extrêmement efficace parce que c'est une complexité linéaire. Alors par contre, pour l'obtenir, il a fallu que je construise ce graphe. Et pour le construire, il a fallu que je trie mes intervalles par date de fin croissante. Et ça coûte plus cher, ça coûte n log n. Donc ici, la complexité vraiment finale de l'algorithme, elle est en n log n. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus efficace, évidemment, que 2 puissance n, dont on a parlé au départ, qui est une complexité exponentielle. Voilà. Alors, je vous remets sur le même écran à la fois le modèle de chemin, la décomposition en sous-problème et l'équation de Bellman. J'espère que ces éléments ont du sens pour vous et que vous voyez bien que ces deux représentations ici, chemin et décomposition en sous-problème, eh bien on peut les écrire de façon formelle avec cette équation de récurrence. Finalement, ça c'est l'écriture compacte formelle de ce graphe ou de cette décomposition. Donc voilà la réponse attendue à l'exercice. Alors à partir de là, je peux écrire l'algorithme. Ça c'est presque en fait automatique une fois qu'on a l'équation de récurrence. Donc je fais ça avec vous. L'algorithme est le suivant. Il faut que je trie les intervalles d'abord. Il faut que j'alloue la mémoire pour f. Donc ici, c'est un tableau et je l'initialise. Alors j'ai représenté le tableau f ici, où j'ai initialisé toutes les valeurs à 0. Donc tous les f de i sont à 0. Et puis, pour résoudre un problème de taille i, il faut que j'ai résolu les problèmes plus petits avant. Donc il faut que je résolve les petits problèmes avant les gros. Donc ma boucle, elle est organisée de 1 à n, les petits avant les gros. Et à chaque fois, j'applique exactement cette équation. Alors, si je déroule l'algorithme sur mon exemple de données, je vais représenter le déroulement ici avec une ligne à la fin de chaque itération de i. Donc, à la fin de la première itération, j'aurais mis à jour f de 1. Je mets à jour f de i pour l'itération i, donc j'aurais mis à jour f de 1. Donc ici, je vais trouver 4 parce qu'effectivement, je vais faire le max entre 0 plus 4 ou 0 plus 0, hein, c'est-à-dire 4. À i égale 2, c'est pareil, je vais obtenir 10 comme le max entre 0 plus 10 ou 4 plus 0. Pareil pour la ligne 3, je vous laisse visualiser ça. Et je retrouve la valeur 18, qui est la valeur de mon plus long chemin. Ici, je n'ai fait vraiment que résoudre un plus long chemin en prenant les sommets dans l'ordre topologique. Voilà, j'espère que ça vous aide et que c'est clair pour vous. C'est un exemple vraiment complet jusqu'à l'algorithme. Alors, je vais vous laisser simplement avec quelques questions. Voilà les questions que vous pouvez regarder pour vous entraîner. Et je vous mets également la question que se posaient les astrophysiciens, donc en référence à la vidéo qui explique ce problème dans le contexte de l'astronomie. Voilà, bon cours à vous.